Salut, c'est l'Astangel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc on se retrouve pour cet épisode 9 de Dead Space, intitulé « Mort à l'arrivée ». Donc ça n'est déjà pas bon signe, un titre comme ça c'est déjà pas engageant. Alors, comme d'habitude, on va inspecter... Isaac, bien, vous êtes dedans. Écoutez, le Valor transporte des munitions et des missiles. Sa présence n'a rien d'une coïncidence. Il n'était ni en reconnaissance, ni en patrouille. C'est une machine de guerre. Il venait là pour détruire quelque chose. Vous m'entendez? Isaac, j'ai encore perdu. Je ne reçois plus le signal d'Amon. Trouve-moi ce réacteur et décampe de là en vitesse. Alors, on va faire comme t'as dit. Donc, comme d'hab, on va examiner un petit peu les lieux en arrivant. Donc là, il y a un plan de travail, c'est déjà ça. On n'avait plus grand-chose en munitions sur ça. Et voilà, on en a 4. Il va falloir qu'on fasse attention. Voilà, c'est parti. Je vais en profiter un petit peu pour vous parler de la chaîne, comment elle évolue actuellement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait une nouvelle bannière sur YouTube et sur la page Facebook. J'espère que ça vous plaît, j'ai passé beaucoup de temps, mais évidemment c'est parce que je le veux bien, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que je veux que vous ayez quelque chose d'engageant aussi et que vous vous sentiez bien avec des visuels qui sont sympathiques. J'espère que l'intro que je suis en train de travailler, la nouvelle introduction des vidéos, vous plaira également. Je passe aussi beaucoup de temps dessus, ce qui explique que là en ce moment les vidéos il y en a quand même assez souvent par rapport à d'autres chaînes, hein, faut quand même être honnête, mais c'est vrai que je suis pas tous les jours au rendez-vous ces derniers temps et je m'en excuse, mais ça prend quand même beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai commencé beaucoup de choses en même temps, mais c'est un petit peu à cause de... Qu'est-ce que c'est que ça? Entrée zone sans gravité. Ok. Quand le Valor s'est écrasé, une capsule sensible s'est ouverte. Ces orbes verts sont extrêmement radioactifs. Ils ont déclenché une quarantaine. D'accord. Tu vas devoir les jeter dans l'espace si tu veux pénétrer dans le vaisseau. Ah bah oui, bah, de toute façon, on est venu pour ça, donc on va le faire, hein, y a pas de souci. Donc voilà, oui, je me suis mis sur beaucoup de choses parce qu'en fait, la chaîne, c'est vrai que je l'ai ouvert un peu vite et j'étais très pressé de vous rencontrer et de vous faire partager ma passion. Et c'est vrai que j'avais fait un petit peu à l'arrache l'intro, les bannières, etc. Et comme j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux, sans non plus être... moi, je suis content, hein, du nombre que vous êtes pour l'instant. Même si vous étiez que la moitié, je serais content aussi, il n'y a pas de souci. Bref, en fait, j'ai eu envie vraiment de faire quelque chose de plus sympathique pour vous, pour moi, et puis aussi parce que j'ai envie par la suite de pouvoir vous offrir des choses, de pouvoir vous faire participer plus. J'ai envie de vous faire gagner des jeux, des clés de jeu, j'ai envie de vous faire gagner peut-être du matériel, des choses comme ça. Alors, pour ce genre de choses, évidemment, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux, il faut que la chaîne ait un impact plus important qu'elle n'en a aujourd'hui. Mais bon, je suis assez confiant, hein, au fil du temps, il n'y a pas de raison. Mais c'est pour ça que je vous demande, autant que faire se peut, ça coûte pas grand-chose de partager, de liker systématiquement si ça vous plaît. S'il y a des choses que vous attendez, n'hésitez pas à le dire. Là, on m'a demandé du BF4 il n'y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai pas eu le temps avec tout ce que je fais de m'y coller. Alors là, ça c'est fait. C'est moi que ça pénalise le plus, hein, parce que je suis un gros fan de BF4 et j'ai plus le temps d'y jouer là depuis une quinzaine de jours. Je regardais tout à l'heure mon battle log, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait une partie. Je suis malheureux comme des pierres. Merde, putain de salaud, toi je discute, espèce de bâtard, tu en profites. Attends, bouge pas. Mange ça. Allez, attends, donne. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc voilà, j'ai pas mal de potes là qui arrêtent pas de me solliciter tous les jours pour qu'on fasse des parties. Et comme je fais de l'encodage ou alors du upload, etc., c'est pas jouable. Lui, il s'est barré où l'enfoiré? Donc voilà, donc je vais le faire, hein. je vais faire du Battlefield dans le courant de la semaine prochaine. Naval Strike, j'ai dû y jouer 1 heure depuis qu'il est sorti, c'est vraiment pas grand chose et j'avais vraiment kiffé le mode assaut porte-avions. Donc, ah putain, dégage toi. Et donc je vais faire, bon c'est vrai que je m'égare un peu là, on n'est pas du tout dans Dead Space, mais je profite des vidéos que je suis en train de faire là
pour vous expliquer un petit peu, et je vais sûrement me répéter dans d'autres vidéos comme The Amazing Spider-Man et puis peut-être Trial Evolution, parce que je sais que c'est pas forcément le même public qui regarde ces vidéos, et je tiens à vous tenir tous au courant. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, Titanfall c'est pareil, ça me manque aussi. Et on va tout faire pour s'organiser mieux, mais là c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Je suis tout seul pour faire tout ça. Alors là, la nouvelle intro, je m'en occupe au niveau visuel, c'est-à-dire que l'animation c'est 4D et tout, c'est moi qui l'a fait. Et j'ai un pote qui devrait me faire une musique originale, qui est musicien, et donc voilà. Donc vous voyez, j'essaye de faire le maximum pour que vous ayez quelque chose de bien, pour que... pour moi et puis surtout pour vous aussi bien sûr hein, parce que voilà, et puis j'espère que vous en serez content. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas, alors c'est pas que je suis en train de supplier ou quoi, ok, ça, faut pas croire ça, c'est pas le but du jeu. Moi, s'il n'y a pas de choses à gagner ou de choses comme ça, c'est pas moi que ça dérange, mais voilà, si vous voulez par la suite que je puisse avoir un impact sur des distributeurs, sur des éditeurs ou sur des gens qui ont la possibilité de me permettre d'organiser des concours et des choses comme ça, ça tout dépend de vous en fait, là-bas et dans votre camp. Et voilà, ça sera plus ça sera partagé, plus il y aura d'abonnés, plus on aura d'impact, et puis plus on pourra solliciter des gens pour qu'ils nous offrent des choses, des exclusivités, des avant-premières sur des jeux, des choses comme ça, que je puisse aller dans des choses comme le 3 par exemple, où je pourrais vous ramener des infos en exclusivité sur des jeux, ou enfin vous voyez, moi mon objectif en fait c'est pas de gagner de l'argent. Bon, si j'en gagne, je vais pas être hypocrite, tant mieux, il y a du boulot derrière, donc voilà, mais c'est pas ça. Moi je suis vraiment un passionné. Ce que je voudrais pouvoir, c'est rentrer dans les coulisses à terme des jeux, comment on les fabrique, rencontrer les gens qui les font, etc. Ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que de l'argent. Quand on est passionné, c'est ce qui nous intéresse. Alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent je suis passionné, en fait qui font ça pour le pognon. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui ont depuis quelques mois là, depuis que les règles YouTube ont changé sur la rémunération, ils mettent plus beaucoup de vidéos, ils font que du stream parce que le stream ça rapporte de l'argent. Moi ça m'intéresse pas de faire du stream pour gagner de l'argent, parce que c'est pas fin. Moi j'aime m'amuser quand je joue en même temps. Là cette vidéo je prends le temps de vous expliquer un petit peu mes ambitions, et elles sont en aucune façon financières, ça je peux vous l'assurer, c'est pas le but du jeu. Je vais pas me servir de vous pour gagner de l'argent, c'est pas du tout le genre de la maison. Mais par contre j'ai besoin de vous pour que on soit reconnu, et que on puisse avoir des choses qu'on pourra partager ensemble, hein. Vous faire encore une fois, vous faire gagner des trucs, que ce soit du matos, des jeux, et puis que vous soyez fiers d'avoir participé à la croissance de quelque chose, où vous pourrez c'est d'autres chaînes, hein, c'est pas la mienne, hein, donc voilà, là le nombre d'abonnés que vous êtes, moi, me suffit amplement. J'ai pas besoin d'en avoir plus, si ce n'est pour avoir, comme je vous disais, accès à des choses auxquelles je peux pas avoir accès pour l'instant. Parce que si j'appelle des gens comme Microsoft, Activision, etc., ils vont me dire ouais, bon, bah, rappelez-nous quand vous aurez 200 000 vues par jour. Enfin, j'en sais rien, j'y connais rien, je suis nouveau sur YouTube. Mais j'imagine que, en l'état actuel, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Ça serait me décrédibiliser, j'en perds mes mots, mon latin et tutti quanti. Donc voilà, bon, maintenant on va revenir à Dead Space. J'espère que vous en savez plus sur moi, mes motivations, et que vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit que moi. Moi, tout ce que je veux, c'est profiter un maximum de la passion que j'ai. Mais encore une fois, pas sous l'aspect financier, et je ne suis pas un hypocrite. Si à un moment donné il y a un aspect financier qui se présente et que ça me rapporte de l'argent, bah, ça m'apportera de l'autonomie pour pouvoir faire uniquement ça et me consacrer qu'à ça. Mais c'est pas, l'argent n'est pas une fin en soi, hein. C'est un moyen, c'est l'argent, ça fait pas le bonheur comme on dit, et voilà. Je dis pas que j'en ai pas besoin, hein. Je suis comme tout le monde, faut que je mange, mais bon voilà, hein. Si je peux
passer 100% de mon temps à vous faire des vidéos sans rien faire ailleurs, et que ça me rapporte de l'argent, pas pour être millionnaire, mais pour me consacrer qu'à ça, et ben voilà quoi, c'est tout bénef pour vous, pour moi, pour tout le monde quoi. Voilà. Donc on y retourne. Là, il y a un espèce de putain de monstre qui est parti à gauche, hein, qui doit pas nous vouloir du bien comme d'hab. Le réacteur se trouve dans la salle des moteurs à l'arrière du vaisseau. C'est vrai ? Ah, ça c'est cool ça. Alors j'espère que tu trouveras un chemin jusque-là. Bah, on va essayer. Jusqu'à maintenant, ça nous a pas trop mal réussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, bah, comme d'hab, hein, une petite sauvegarde. On va en profiter. Alors je suis désolé hein, si le commentaire d'aujourd'hui n'est pas comme ceux d'habitude, mais voilà, comme je travaille beaucoup sur la chaîne en ce moment, je me donne beaucoup, je voulais vraiment tout vous expliquer comme il faut. Ah ah, le voilà, il est parti. Il doit être en embuscade ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a l'air de vouloir nous attirer quelque part. Et c'est jamais bon signe. Ah, y a un truc qui traîne là. Ouais. La stase, on n'a plus grand chose et à mon avis on va en avoir besoin. Ça va falloir jouer avec les containers, j'imagine, parce que je vois qu'on peut les déplacer. Les soldats réagissent bizarrement au processus d'infection. Leurs armures étaient toutes équipées de modules de stase. On dirait que l'infection assimile l'énergie des modules de stase. Ça les fait bouger plus vite. Ah d'accord. Oui, bah on prenait déjà garde avant, on va être un peu plus vigilant maintenant. Ok. Alors, il veut pas venir lui. Il veut pas bouger. Bon bah bouge pas. Ça me rappelle, je sais plus comment il s'appelait, il y avait un jeu comme ça, quand j'avais une DS, très très longtemps, les toutes premières. C'était un jeu comme ça où il fallait bouger des caisses pour se payer un passage et trouver la sortie. J'ai passé un temps fou là-dessus. Ah, il y a un truc qui a bougé là-haut. Ils sont en train de jouer avec nos nerfs en fait. Hein. Allez, 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 allez. Ah putain, qu'est-ce que je fais? Pourquoi il veut pas faire ce que je lui demande? Allez, bon, bah, va devant, tant pis. C'est pas là que je voulais te mettre, mais. Ah, dégage. Alors là, on est enfermé. Là, il y a une caisse. On va aller voir ce qu'elle peut nous proposer. Oh oh! Ah bah, il a l'air inquiété. Allez, hop, putain, pile poil. J'aurais préféré les munes. Oh, un, son petit frère, ou son cousin, on sait pas. Oh putain, il y a l'oncle, la tante, il y a tout le monde. Ah putain, allez, dégage. Allez. Voilà, ça c'est fait. On s'en sort pas trop mal. Ouais, ok, ça c'est toujours ça de prix. Alors il y avait une caisse par là tout à l'heure. Allez, bouge-toi. Alors, ah ouais, elle est là. Il y a ça aussi. Très bien. Ok. De la stage, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Il m'en reste un, c'est pas. Là, il doit nous rester 3 coups de stage, un truc comme ça. Il va falloir qu'on économise. Ok. Alors. Il n'y a plus rien. Apparemment ça on va les éviter parce que de mémoire ça ne fait pas du bien. Ah 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 ah, il y a du bruit là. C'est quoi ? Oh putain ! Oh le con, oh le con, dégage. C'est quoi ce... Ah putain, c'est le même que tout à l'heure. Putain, c'est crade quand même. Il a la moitié de la tête coupée, ce con. T'as vu ta gueule ? Putain. Et ta mère a te laissé sortir comme ça dans cet état-là ? C'est pourtant pas Halloween. Allez, hop là. Alors... Donc...
là, ça c'est fait. Alors, donc c'est par là, la porte elle est bouchée, donc on va défoncer ça. Là, c'est par là, le bagage. Ah bah dis donc, ça a été bouché des deux côtés, mais par qui? Ah ouais, l'autre elle est toujours à moitié dans son trip, elle est pas redescendue, elle est toujours sous acide. Et dire que c'est pour elle qu'on est venu risquer notre peau dans l'état où elle est, je sais pas si on va arriver à la récupérer intacte, il y a peu de chance. Je crois que nos illusions se sont envolées. Maintenant tout ce qu'on veut c'est survivre. Ça, on va voir s'il n'y a pas un truc de planqué là-dessous. Ah putain, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Non putain. C'est des munitions. Putain, je voulais des munitions. Je voulais pas un gros con comme toi, dégage. Ah putain de bâtard. Ah je dis merde, il y a peut-être des trucs qui sont planqués derrière. Là, tu parles, il y a un gros con là. Celui-là n'avait pas bougé. Voilà, c'est bon. Non bah il y avait que dalle. Il y avait juste lui, là, l'espèce de naze. Ah, ça bug. Dégage. Enfin, c'est pas un bug, c'est moi qui l'ai mal placé. Quoi. Alors. Ça, c'est fait. Alors, oui, pour info aussi, là, je me suis procuré, que j'ai acheté, hein, parce que tous les jeux que vous voyez, c'est les jeux que j'ai achetés. Je ne peux pas vous rejoindre. Ce vaisseau est presque coupé en deux. Je suis à la passerelle, et c'est pas beau. Ils ne leur ont laissé aucune chance. Je vais déverrouiller les portes pour que vous accédiez à la salle des moteurs. Essayons de nous rejoindre là. Pour le moment, j'ai une collection de 600 jeux, donc ça va. Alors, évidemment, ils sont pas tous récents, hein, d'où l'intérêt de se procurer... comme je vous disais tout à l'heure, les nouveautés, j'ai envie de dire gratos pour pouvoir vous les proposer. Watch Dogs, je l'ai précommandé. J'ai acheté Trivial Fusion il n'y a pas très longtemps aussi. The Amazing Spider-Man. Je sais pas, comme qui dirait la bourse à Rothschild, hein, je peux pas tout acheter. Donc il y a forcément des choses que si on arrive, j'arrive pas à les avoir d'une certaine façon, ben, la chaîne passera à côté. Parce que, ou alors beaucoup plus tard quand ils seront en solde. Mais donc voilà, donc oui voilà, il y a quelques jeux là, je suis en train de travailler sur un, parce que je travaille sur beaucoup de choses vous voyez, sur un concept de pas de mini test mais un truc dans ce genre là où en fait voilà, avant que vous les achetiez je vous parlerai vite fait, je séparerai le test en plusieurs parties, les graphismes, le gameplay, la bande son, enfin que du classique quoi. Et puis je vous donnerai mon avis, vous verrez visuellement, et puis on pourra vous faire une idée si ça vous intéresse de l'acheter, d'attendre plus tard ou de pas l'acheter du tout. Et puis voilà quoi. Hop là, voilà. Sachant que vous êtes peut-être partie de ceux qui téléchargent des jeux. Sachez que le téléchargement c'est mal, c'est très mal. On en reparlera dans une vidéo si vous voulez, qui sera consacrée qu'à ça. Parce que ça a l'air fun comme ça pour les charger des jeux gratos, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Toi, voilà. Ah putain, il y en a encore un autre. Un petit plaque, toi, plaque. Ah putain. Ah, crevure ce truc. Allez. Mange. Alors ça vous paraît sûrement, ou voire même peut-être idiot ce que je vous dis. Mais faut de l'argent pour faire un jeu. C'est, ça coûte très cher de faire un jeu. Si tout le monde les télécharge, il n'y a pas d'argent pour faire des jeux. Puis voilà, donc on se retrouve avec soit des jeux merdiques, pas terribles, soit avec tous les mêmes jeux, parce que bah, du coup tout le monde fait que ce qu'il vend et on passe à côté de petites perles. Qui aurait pas pu être développé autrement. Regardez, prenez l'exemple de Star Citizen sur lequel je vais faire probablement. Alors on va se laisser juste parler. Après la. J'avais pas fait gaffe autant. Je m'appelle Terence Kyne.
Docteur Karin. Écoutez-moi, le temps est compté. Si vous pouvez réparer cette navette, je vous conseille de ne pas l'utiliser pour fuir. Comprenez-moi bien, les forces que nous affrontons, elles nous dépassent complètement. Si vous partez, l'humanité entière... D'accord. Bon, je vous dis à bientôt. Partagez, likez, et passez une bonne soirée, et à demain. Le piège se referme sur nous tous. Et puis, vous devez m'aider.